Bonsoir à tout le monde, bonsoir ma Côte d'Ivoire, bonsoir tous mes amis que je suis content de voir chaque fois que je sais que je dois me connecter avec vous. Bonjour à Jay Kuiper, bonjour à Benzo Bonzaï, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Kwasi Maurice Swanga, bonjour mon type, comment tu vas? Bonjour à Poussin Coca, voilà, Kwasi Kofi, bienvenue. Antoinette Kofi, Charlie Duc. Hey Charlie, laisse-moi tranquille, hein. Tu as fini de manger ta nourriture, laisse-moi tranquille, hein. Voilà. Et c'est qui ça? C'est qui? Ah ok, il n'y a pas de souci. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour Théo Lyon, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Naki Rachak, Balou Nak Balou, bonjour. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un thème. Ce thème-là parlera un peu de nos valeurs et nos coutumes. Nos valeurs et nos cultures dont nous nous sommes tellement éloigné que aujourd'hui on perd même de la valeur. On perd ce qui est le minimum. C'est-à-dire l'africainement agrément, le bon sens africain. Frère, nous nous sommes tellement éloignés de nos valeurs et de nos coutumes que nous sommes tellement perdus, tellement désordonnés, tellement aliénés que le minimum de bon sens n'existe plus chez nous. Mais pourquoi est-ce que aujourd'hui, là, voisine ne peut pas éduquer l'enfant du voisin? Pourquoi? Parce qu'on est devenu blanc. On est devenu des intellectuels. Pourquoi aujourd'hui un papa ne peut plus envoyer son enfant à l'école, à l'intérieur, chez son cousin, ou bien chez sa tante, ou bien chez quelqu'un de son village? Bonjour Alban Von, on est devenu blanc. On est devenu... Bonjour Jésus de Gloire. Anne, comment tu vas? On est devenu trop individualiste. On est devenu trop moderne. Pourquoi aujourd'hui, là, une grand-mère ne peut plus donner son sein à téter à son petit-fils? Non,
elle va le contaminer. Il y a trop de maladies. Ta grand-mère ne peut plus donner à téter à ton propre fils. Nous nous sommes tellement éloignés de notre coutume. Tellement éloignés de nos valeurs. Et ça donne ce que vous voyez aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le cas de la Côte d'Ivoire, nous décrions l'attitude de Draman. Et par ricochet, nous décrions l'attitude de ceux qui ont mis Draman au pouvoir, la France. Mais nous n'arrivons pas à connaître l'origine et aller chercher une force qui pourrait être la mieux partagée entre nous. C'est-à-dire nos cultures, nos traditions, nos valeurs. Mais si Ouattara est aussi fort, ce n'est pas à cause de la France. C'est parce que nous sommes tellement éloignés de nos valeurs, de nos coutumes, de nos cultures, de nos traditions. Si la France arrive facilement à nous diviser, ce n'est pas de la faute des armes qu'ils ont. Ce n'est pas la force seulement de l'argent. Mais c'est parce que nous avons perdu notre base. Notre base, c'est notre coutume, nos valeurs. Quelqu'un ne peut pas dire simplement « Je suis intègre » et puis rester intègre jusqu'au bout. Quelqu'un ne peut pas faire une promesse et puis respecter sa promesse. Une maman ne peut pas voir l'enfant de son voisin partir et puis dire « Viens, je vais t'envoyer. » Il va refuser. Il va lui dire « Tu n'es pas ma maman. » Nous nous sommes tellement éloignés de ces valeurs qu'aujourd'hui, ce que je vois sur la toile là, mais je suis dépassé. Une femme peut s'asseoir, parler d'une autre femme en public. C'est-à-dire sans retenue. C'est-à-dire sans réflexion. Sans penser à sans penser aux conséquences. Frère, nous sommes tellement éloignés de nos cultures, de nos valeurs. Vous voyez cette vidéo? Si j'étais en train de dire, oh, Tamelko, oh, Balou, non, Balou, pourquoi tu m'as fait ça? Oh, Black Legend, tu es chien. Vous allez voir le nombre de partages. Vous allez voir le nombre de likes. Les Africains, on a tout perdu. On a tellement tout perdu que aujourd'hui là, quelqu'un frappe ta maman. Quelqu'un est en train de battre ta mère. Tu cours, tu viens. Et puis tu lui demandes, mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons tellement perdu nos valeurs qu'aujourd'hui, quelqu'un frappe ta grand-mère, ta tante. Et puis, quand tu viens, il y a les gens qui t'attrapent. Tu dis non, il ne faut pas partir. Nous sommes allés tout loin. Avant, mais tu frappes la maman de Benzo Bonzaï. Mais avant que Benzo ne vienne, Bijou d'Afrique, ou bien Gide Mira, l'a déjà corrigé copieusement. Parce qu'en Afrique, on avait des valeurs. Avant, tu as été insulté, maman, déjà, tu n'as pas encore fini. Mais il y a quelqu'un qui t'a déjà giflé. C'est ça, nos valeurs. Mais aujourd'hui, tu as été frappé dans la main de Sonaki Sonak. Quelqu'un va dire, non, ce n'est pas mon problème. Elle aussi a ses enfants. Tu as été frappé la maman de Maïliba ou bien Mataba. Quelqu'un va dire, non, c'est pas... Mon ami, quitte là-bas. Ce n'est pas ton problème.
elle a ses enfants. Nous avons perdu toutes ces valeurs-là. Avant, c'est la voisine qui éduque ton enfant quand tu n'es pas là. Avant, c'est le voisin qui dépose son enfant à l'école quand tu ne peux pas. Mais aujourd'hui, on est tous devenus blancs. On est devenus égoïstes, égocentriques, modernistes. On est devenus blancs. Des gens peuvent s'asseoir comme ça et puis parler de la femme de quelqu'un. Quelqu'un peut s'asseoir et puis insulter la maman de quelqu'un. C'est-à-dire, Internet les a rendus fous. Ils sont devenus blancs. Ils sont trop en avance sur le temps. Comme maintenant, on ne fait plus de rang pour aller à la RTI. Comme maintenant, on ne fait plus d'audience pour aller à la RTI pour parler. Chacun a sa caméra. Il est devenu producteur, réalisateur comme Noufé Nabi. Il est devenu producteur, journaliste comme Lévi Niamke. Chacun est son journaliste. Chacun est Lévi Niamke. Chacun est son producteur, Noufé Nabi. Il prend sa caméra, pas ta main co. Lui là, t'as baisé. Tu as baisé lui là. Tu as fait ceci. Ta grosse mine. Nous avons perdu nos valeurs. Avant, pour dire ces mots que je viens de prononcer, toutes mes excuses, c'est-à-dire c'est en cachette. Avant, bonjour maman Adèle Cissé, pour dire des mots en dessous de la statue de quelqu'un, peut-être que c'est entre vous, un groupe de jeunes. Avant, télévision, simple télévision. Ton papa est assis. Tu regardes télévision blanc-noir. Ton papa est assis derrière toi. Quand les gens s'embrassent, toi-même, tu es au courant que tu dois te lever. Avant. Oui, parce que nous sommes tellement loin de nos valeurs, de nos cultures, qu'on oublie même qu'avant nous, aujourd'hui, nos parents avant étaient déjà dans le modernisme. Nos papas, avant nous, dans les années 80, 90, ils étaient déjà dans le modernisme, même s'il n'y avait pas Internet. Avant, tu regardes télévision. Quand les deux messieurs se rapprochent, le monsieur et puis sa femme, quand ils commencent à se rapprocher là, tu es au courant, tu te lèves. Tu sais que tu dois sortir, ou bien tu baisses ta tête avant. Parce que si tu as levé ta tête, ton papa est derrière toi. Avant, il n'y avait pas de télécommande. Avant, il n'y avait pas de télécommande. Télévision là même là, on met ça dans armoire. Télévision d'avant là. On met ça dans armoire. Et puis c'est ton papa qui a la clé. Avant, nos anciens qui étaient dans les cités de profs ou quoi là, ils connaissent. Télévision là, c'est dans armoire. Et puis ton papa, il garde la clé. Quand l'heure des dessins animés arrive, il vient. Ton papa, hein, quand l'heure des dessins animés arrive, il arrive. Abigail, bonjour. Et puis il allume. Il ouvre le placard. Et puis il ouvre. Où il y a la télévision là? Il allume. Si c'est Mowgli, vous devez regarder. Tu es assis. Tout le monde est là. Les voisins même viennent. Les voisins qui n'ont pas de télé. Ils viennent chez vous pour regarder la télé, pour regarder Mowgli. Si c'est Tom Sawyer, vous devez regarder. Les voisins qui n'ont pas de télé là, dans le quartier là, tout le monde est chez vous pour regarder Tom Sawyer. Si c'est pour regarder Booba, tout le monde vient au quartier. Tous les voisins, les enfants des voisins, les filles, tout le monde est chez vous. Si ton papa a la télévision en couleur, vous avez gagné dans le quartier. Tout le monde est chez vous. Et puis ton papa, quand il est l'heure de Mowgli, ou bien Booba, ou bien Tom Sawyer là, il vient, il ouvre son placard. Et puis, battant là, on ouvre ça comme ça. Il allume la télévision. Quand il allume la télévision, on fait pas. Et puis, vous êtes assis. C'est malou, mais respect. Quand vous êtes assis, vous allez regarder Mowgli là. On ne parle pas.
Papa assis dehors, derrière vous, il est assis derrière vous, sur sa chaise. Et puis il vous regarde. Et puis on chante. Tom Sawyer, c'est l'Américain. Les choses comme ça. Quand vous finissez de regarder, il ne vous dit même pas, oh, sortez. On fait les publicités, les choses façon façon, tout ça là. Les adieux Kouroumadja, sans bip, les choses comme ça, les comédies comme ça. Ceux qui ont vécu en Côte d'Ivoire, ils savent de quoi je parle. Mais aujourd'hui, on s'est tellement éloigné de nos valeurs, de nos cultures, comme si nos parents d'avant là, ils n'avaient pas vécu ce modernisme. Mais eux aussi l'ont vécu. C'était peut-être pas aussi développé que maintenant, mais ils l'ont vécu. Nos papas d'avant là, ils avaient la télé. Nos papas d'avant, ils avaient la télévision. Pardon, téléphone là. Tu fais comme ça, brrr, tu fais un doigt, tu fais brrr, après tu fais brrr, après tu fais brrr. C'est pas n'importe qui avait la télévision avant. Donc c'est pour vous dire, c'est vrai, qu'aujourd'hui les choses sont plus faciles. On est devenu des producteurs ambulants. On est devenu des journalistes. Nouveau Nabi, Lévin Yamke, Georges Taï Benson. Tu es content, tu déposes ta caméra. Po! Taverko! Imbécile! Oh Babo! Oh Simone! Oh Babo! Oh Bédier! Et on a perdu tout, c'est-à-dire le minimum. Les Blancs même là, qui nous ont donné les instruments comme ça, eux-mêmes là, ils sont choqués. Ils sont obligés de faire des balises pour nous contrôler. Et comme je vous disais, quand ton papa allume la télé, que pour vous finir là, il y a Journal Palais qui commence. Les enfants là, quand Journal Palais commence, vous commencez, les enfants vous commencez à vous lever. Avant, il n'y avait pas de novelas. Si tu as eu le malheur, le week-end, il y a des films, on t'appelle, on dit de regarder Ciné-Nuit. Si tu ne dors pas quand tu regardes Ciné-Nuit, et puis dans Ciné-Nuit là, avant de regarder Ciné-Nuit, il y a édition spéciale. On dit, vous pouvez voir parler. Avant de regarder Ciné-Nuit, édition spéciale, on dit, vous pouvez voir parler. Si tu es courageux, tu restes. Si tu n'es pas courageux, tu vas dormir. Mais dans Ciné-Nuit là, si tu es assis et puis deux personnes s'approchent pour s'embrasser, tu es au courant. Ton film est fini. Sinon, tu entends dans ton dos, bah. Voilà des valeurs que nous avons eues de nos parents. Mais ce n'était pas des gaous. Avant, tu ne vas jamais voir ton papa même embrasser ta maman. Jamais de la vie. C'est un tabou. Avant, ton papa même là, il ne va jamais faire bise à ta maman. Tu ne vas jamais voir ça. Jamais. Avant, moi je n'ai jamais vu mon papa faire bise à ma maman. Jamais de la vie. Jamais. Aujourd'hui, on est assis dans nos salons avec nos enfants. C'est des garçons qui s'embrassent, des PD qui s'embrassent, c'est des lesbiennes qui s'embrassent, c'est des dessins animés même où les gens se graissent. Mais comment on peut perdre le nord comme ça? Comment on peut perdre nos valeurs comme ça? On est tous devenus blancs. En fait, caméra, je vous explique ça pour vous dire nos valeurs, nos cultures, nos traditions. C'est ça. C'est parce que nous sommes éloignés que nous souffrons aujourd'hui. Comment quelqu'un peut s'asseoir, prendre la femme de son soi-disant papa, l'insulter, dire autant de contre-vérités, dire autant d'ignominies, et il n'y a personne. C'est-à-dire, non seulement dans son entourage, mais aussi dans ses relations longues, il n'y a personne pour dire à cette personne, arrête. Non, mais c'est inconcevable. Comment quelqu'un peut s'asseoir, insulter une digne femme, la maman de personnes qui sont plus âgées qu'elle, la maman qui aujourd'hui, dans le modernisme, fait rêver plus d'une fille. Comment quelqu'un peut prétendre appartenir à une confédération politique
Bonjour, maman Ben Brané. Et puis, insulter une femme. Et il y a des, elle a, comme le Satan a des adeptes. Ça, je n'en dis qu'on vient pas. Le Satan, il a des adeptes. Donc, tout ce que nous faisons là, il y a ceux qui nous applaudissent. Et puis, il y a ceux qui nous insultent. Mais, quand on parle de valeur et de culture, ça doit être unanime en tant qu'Africain. Nos valeurs, nos cultures nous sont tellement éloignées. Quand on parle de valeur et de culture, ça doit être unanime. Ça ne doit pas avoir des gens qui apprécient et des gens qui disprécient. Quand on parle de nos us et coutumes, de nos valeurs, de nos traditions, tout le monde doit être étranger du même côté parce qu'on est Africain. Et qu'est-ce que nous observons? Aujourd'hui, quelqu'un il va voler. Quelqu'un va voler. Et puis on applaudit pour lui. On fait des éloges. On cotise pour lui. On paye des billets d'avion pour lui. Aujourd'hui, quelqu'un va violer un enfant. Quand on parle, on dit non, c'est politique. Faut pas dire. Aujourd'hui, quelqu'un s'assoit devant son écran. Elle insulte une femme. Une mère. C'est-à-dire, elle insulte la maman de beaucoup de personnes. Une femme qui a ses frères, qui a ses soeurs. Une femme mariée, dont elle-même son mari, est un grand homme. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne pour dire, madame, il faut arrêter. Il n'y a personne pour dire, madame, ce n'est pas bon. Vous voyez, le président Gbagbo, il est un parti politique, mais il n'a pas d'amis, il n'a pas de frères. Moi, de la même manière, il y a les Lumumbistes. De la même manière, il y a les Sankaristes. De la même manière, il y a des adeptes de Patrick Lumumba, pardon, de Nelson Mandela. Et puis, il y a des adeptes de Martin Luther King, là. C'est comme ça, moi, pour moi, là, c'est Gbagbo. Mais je suis fan de ce monsieur à un niveau qui n'a pas de sens. Donc, aujourd'hui, là, quand je regarde ce grand homme-là, qui a une organisation politique, quand je regarde ce grand homme-là, qui est supposé avoir beaucoup de frères, quand je regarde ce grand homme-là, qui est supposé dormir tranquille, que quelqu'un insulte sa femme et que dans l'entourage de cette personne, il n'y a personne, vraiment, personne pour marcher, aller attraper la femme-là, l'éduquer comme nos parents le faisaient avant, ça me fait mal. Le président Gbagbo, il n'a pas de frères. Il n'a pas d'amis. Ok, Ben, c'est noté. Après moi, il y a Eben Boané. Dès que je finis, il y a Eben Boané qui dit sera en direct. Après Eben, il y a Edith Lago qui dit sera en direct. Le président Gbagbo, frère, il n'a pas d'amis, il n'a pas de frères. C'est faux. Le président Gbagbo, il n'a pas d'amis, il n'a pas de frères. Il n'a que des collaborateurs politiques. Parce que moi, je ne suis pas Crou. Je suis à Caen. Chez moi, le président Houphouët-Boigny, le président Félix Houphouët-Boigny, tout le monde a entendu qu'il graissait Ève Novian Ouattara, Alexis Colby. Tout le monde a entendu. Le président Houphouët-Boigny, tout le monde a entendu qu'il graissait Ève Novian Ouattara, qui était dans Polero avant. Mais pourquoi les gens ne parlaient pas? Pourquoi? C'est parce que le président Houphouët, il est à Caen. Écoutez-moi bien. Le président Houphouët, il avait des petites go. Et la plus connue, c'est Ève Nouvian Ouattara, Alexis Colby. Tout le monde savait. Les Fologo, la paix à son âme, savaient. Tout le monde savait. Les Bala Keïta, là, savaient. Les Jean-Jacques Béchot savaient. Mais jamais personne n'osait. Parce que c'est un Akan. Parce que chez nous, les Akan, on a ces valeurs-là. On a ces cultures-là. Si tu fais quelque chose au président, Houphouët, mon frère, demain ne va pas te trouver.
Il ne va pas t'envoyer. Hein. Il ne va pas envoyer quelqu'un. Mais notre archaïsme, notre culture, nos valeurs, faut que chez nous, là, un papa, il ne chie pas. Chez les Akans, une maman, elle ne se lave pas dehors. Chez les Akans, il y a tellement un ancrage de la tradition que pour parler de ton papa comme ça, tu n'es pas né. Tu n'es pas né. Mais qu'est-ce qu'on regarde? Le président Gbagbo, un coup, un fils de la région de l'Ouest, c'est-à-dire, les gens de l'Ouest là, il n'y a pas une seule personne qui va marcher, aller trouver la fille là, pour l'éduquer. Il n'y en a pas. Le président Gbagbo, ses amis là, il n'y a pas un seul qui va se lever, aller dire à la fille là, c'est bon. Ses frères là, même, il n'y a pas une seule personne qui va payer son billet d'avion, venir dire, hey, maman, tais-toi. Nous nous sommes tellement éloignés de nos valeurs. Hier, j'ai fait un post. Et puis, j'ai adressé une interpellation au premier fils du couple Gbagbo, à Michel Gbagbo. Et j'ai interpellé Michel pour lui dire, comme ton papa n'est pas là, Michel, c'est toi qui es là. Est-ce que ce que ta maman vit là, tu ne vois pas? Et puis j'ai regardé les commentaires. C'est dans les commentaires que j'ai vu que nous nous sommes vraiment éloignés de nos cultures. Nous nous sommes vraiment éloignés de nos valeurs. C'est-à-dire, dans le commentaire, que moi, en tant que Akan, en tant qu'Africain, en tant qu'Ivoirien noir, en tant que traditionnaliste pur, j'ai interpellé un grand frère. Pour lui dire, mon frère, chez nous là, quand on frappe ta maman, tu ne poses pas de questions. Quand tu viens là, tu te bats pour ta maman. J'ai fait un poste pour dire, Michel, chez nous là, une femme, elle est respectée quand elle a un fils. Chez nous, en Afrique, quand une femme n'a pas d'enfant garçon, on ne la respecte pas comme une qui a un enfant garçon. Quand une femme n'a pas un enfant garçon, on ne la respecte pas comme une femme qui a un enfant garçon. Donc Michel, ce qui se passe là, forcément tu connais au moins quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un qui peut aider à faire taire ce qui se passe, ces ragots là. Michel, les gens sont venus commenter, non, Michel veut député, faut pas l'exposer. Non, Madame Simone Gbagbo ne parle pas à Michel. Non, les deux même ne s'entendent pas. Mais ça a quoi à voir avec? C'est là que j'ai compris que nous nous sommes éloignés de nos valeurs, de nos cultures, de nos coutumes. L'interpellation que j'ai faite à un grand frère dont sa maman est malmenée à la place publique, qu'est-ce que cela a à voir avec sa maman ne lui parle pas? Qu'est-ce que cela a à voir avec Michel sera député? Qu'est-ce que cela a à voir avec, comment on appelle ça même, c'est leur problème de famille. Mon frère, en Afrique, ta famille, c'est ma famille. En Afrique, ta maman là, c'est ma maman. En Afrique, ton malheur, c'est mon malheur. En Afrique, ton bonheur, c'est mon bonheur. C'est en Europe que l'individualisme et puis la perte des cultures fait qu'on est tous perdus. Mais même les Européens, ils ont gardé leurs valeurs. Un Européen sait que son enfant doit aller à l'école. Ça, c'est leur culture. C'est leur valeur. Un Européen sait que l'enfant a droit à la parole. Ça, là, c'est leur culture, c'est leur valeur. Un Européen sait qu'un enfant, il doit avoir un goûter. Il doit avoir un dessert. C'est leur culture, c'est leur valeur. Un Européen sait qu'un enfant, là, il doit avoir son compte bancaire. C'est leur coutume. Eux, ils ont gardé pour eux. Mais nous, on a perdu tout pour nous. Aujourd'hui, Eben Boané va prendre mon fils est en train de faire des bêtises, elle va le conseiller. Non, ce n'est pas ton enfant. Pourquoi tu n'as pas fait d'enfant? Va t'occuper de ton enfant. De la rose sans épine va dire, c'est mon frère. On va dire, non, c'est ton gars. Et on a tout perdu. Frère, ce que nous vivons aujourd'hui est déplorable. C'est un problème d'éducation. Un problème d'éducation.
un problème de culture, un problème de valeur. Il n'y a rien d'autre. Si aujourd'hui, Ouattara nous malmène, c'est parce que nous avons perdu nos cultures, nos valeurs. Parce que quand Ouattara arrive dans nos villages, là, c'est nos Judas qui montent à Ouattara où on a caché le massacre du village. Quand Ouattara veut tuer Balou dans Balou, là, Ouattara passe par son frère Bété pour le tuer. Quand Ouattara veut tuer Eddie Denea, Ouattara passe par un Nyamboa pour la tuer. Quand Ouattara veut tuer un Godier, Ouattara passe par, pardon, Eben, Ouattara passe par un Godier pour le tuer. Quand Ouattara veut tuer Anyoel, Ouattara passe par Léopold. Quand Ouattara veut tuer Léopold, il passe par un Adjoukou pour le tuer. Donc c'est parce que nous avons perdu nos valeurs, nos coutumes, notre intégrité. C'est nos enfants-là qui montrent comment les Godiers se comportent. Comment les guerriers se comportent. Comment les Bablés se comportent. Comment les Yakuba se comportent. Frère, bonjour Djourou Roger. Nous avons perdu, nous nous sommes éloignés du minimum. Sinon nos parents avant là. Quand on dit, on ne sort pas avec femme en brousse, on met des balises. Tout le village sait que la nuit, ou bien quel que soit le moment, on ne sort pas avec femme en brousse. Quand on dit au village, on ne pisse pas sur ce bois là, on met des balises. On vous effraie, on dit. Excusez-moi. Hein. On dit, si tu pisses sur le bois là, ton kiki ou bien ton toto va grossir. On dit, on ne chie pas où il y a poto-poto. Si tu chies dans poto-poto là, ton coco va. C'est-à-dire, chaque fois que nos parents posent un tabou, ils mettent des balises. Mais aujourd'hui, chez nous ici, il n'y a rien. Je vous ai dit avant, ton papa regarde télévision, tu regardes Western. Si dans Western, le monsieur et la femme se rapprochent là, tu baisses ta tête ou bien tu sors. Avant ton papa assis au salon, tu regardes télévision, quand les deux personnes commencent à se rapprocher, tu sors ou bien tu baisses ta tête, tu es au courant. Donc voilà, frère, ce que la jeune dame est en train de faire aujourd'hui là, ce n'est pas de sa faute. C'est parce que nous nous sommes éloignés de nos valeurs, de nos coutumes, de nos cultures. Sinon, en temps normal, il y a combien d'Africaines à Paris ici? En temps normal, il y a combien de femmes ivoiriennes, noires, traditionnalistes à Paris ici? Il n'y a pas une seule qui peut marcher, aller chez la fille là, l'éduquer, il n'y en a pas. Il n'y a pas une seule sœur de Gbagbo à Paris ici pour aller dire à la femme là, tais-toi. Il n'y a pas un seul frère, un seul ami du président Gbagbo ici pour lui dire hey, « tais-toi ». Il n'y en a pas. Il n'y a pas une seule personnalité politique de son parti politique, le FPI, qui peut dire hey, « tais-toi ». Nous nous sommes éloignés, nous voyons tout en intérêt. Qu'est-ce que ça va me donner? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Ce n'est pas mon problème, c'est le problème de Gbagbo. Frère, ce que vous faites au président Gbagbo là, vous êtes en train de toucher les piliers spirituels qu'il a. Ce que vous faites au président Gbagbo là, vous êtes en train de toucher les piliers spirituels qui le renforcent. Si le président Gbagbo a 1000 femmes, chacune d'entre elles détient un esprit de Gbagbo. Si le président Gbagbo a 50 femmes, chacune d'entre elles a une partie de lui. Donc quand vous attaquez une femme de Gbagbo là, vous attaquez Gbagbo. Quand vous attaquez même la plus petite copine du président Gbagbo, avec qui il est rentré un jour dans le lit, là, vous touchez à un de ses piliers spirituels. Si vous l'aimez, ce n'est pas bon. Parce que quand un homme va avec une femme, cette femme va avec une partie de son esprit. Quand on vous parle des choses comme ça, vous dites non, on est sorcier. Frère, si tu aimes le président Gbagbo, évite de toucher à ses piliers. C'est pour ça, hier, j'ai fait un message adressé à son fils Michel. Pourquoi? Parce que à l'absence de son père, c'est lui le chef de famille. À l'absence de son père, c'est lui le mari de toutes ses femmes. À l'absence de son père, c'est lui le papa de toute la maison. Donc c'est Michel que j'ai interpellé en tant qu'un bon Aka, un bon traditionnaliste, un bon Africain. Grand frère Michel, pardon. Ce qui se passe là,
Chez toi à la maison, il y a tes nièces, il y a tes neveux. Au moins que Internet, il peut voir, ce n'est pas bon. Je sais que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut régler. Voilà mon intention. Mais les gens sont venus. Non! Tu attaques Michel parce qu'il veut être député. Non! Madame Bagbo ne parle pas à Michel. Mais qu'est-ce que, c'est-à-dire, on s'est tellement éloigné de nos valeurs. On s'est tellement éloigné de ce qui est appréciable. Que souvent même, là, il y a d'autres, ils lisent pas. Hein. Dès qu'ils voient la photo net, ils laissent un commentaire. Dès qu'ils voient la photo net, ils laissent un commentaire. Ils lisent même pas. Frère, je fais ce direct pour rendre hommage au président Gbagbo. Et puis, à celle qu'il porte dans son cœur. Maman Simone Evi Gbagbo, ce que tu subis là, tu ne le mérites pas. Tu ne le mérites pas en tant que femme. Tu ne le mérites pas en tant qu'icône de toute une nation. Tu ne le mérites pas en tant que fondatrice d'un parti. Tu ne le mérites pas en tant que peuple ivoire et ébénéenne. Donc, en tant que ton fils, tout ce que je vais te dire, tu as toujours su rester la tête haute. Tu as toujours su trouver dans ta Bible des paroles qui te réconfortent. Eh bien, continue de t'agripper à ces valeurs-là. Ne les perds pas. C'est parce que ton mari et toi, vous n'avez pas de frère. Maman Babo, c'est parce que ton mari et toi, vous n'avez pas d'enfants. Ton mari et toi, vous n'avez pas d'amis. Si vous aviez des enfants, si vous avez des frères, si vous avez des amis, ils auraient fait votre grandeur. Ils vous auraient grandi. Parce que chez moi, si on frappe la maman de Gbalou, ou bien de Chali Loun, et puis j'y viens, c'est mon palap. Chez moi, si on frappe une maman que je la vois quand je vais là-bas, là, c'est mon palap. Donc je n'ai pas besoin d'être dans un parti politique. Je n'ai pas besoin d'être ivoirien. Je n'ai pas besoin d'être africain pour réaliser que où je suis là, ma valeur et ma culture, c'est d'où je viens. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne verras pas où tu vas. Camarades, ce qui nous arrive aujourd'hui, que ce soit jusqu'à dans la politique, c'est parce que nous nous sommes tellement éloignés de nos coutumes, de nos valeurs, que aujourd'hui là, n'importe qui s'élève, il détruit notre couche africaine. N'importe qui s'élève, il éloigne de nous tout ce qui est là. Alors, j'interpelle les amis du président Gbagbo. J'interpelle les frères du président Gbagbo, ses camarades de combat. Ce qui arrive à sa femme, nous vous regardons. Qu'on insulte Nadi Bamba ou qu'on insulte Madame Simone Gbagbo, c'est les piliers du président Gbagbo que chacun est en train de toucher. Ce n'est pas bon. Parce que quand un homme va avec une femme, il laisse une partie de lui avec cette femme. Alors c'est à vous de régler le problème le plus beau et la plus belle des manières. Je suis Okosi Baba Nicolo. Et tu es au coué, Erio au coué. Adieu pour ton lit, tu fais du bam. Et écoute de lui. Que Dieu bénisse les Africains et que j'espère que ce message-là va arriver à bon port pour que chacun puisse aider les jeunes Africains à ne pas se perdre et perdre leurs valeurs et leurs coutumes. Mpo. Let's get it, let's get it.
Alors, avec cette chanson de Kodja Vonto Awoni, qui a une musique abourée, je tiens vraiment à dire merci à toutes mes mamans qui m'ont écouté et j'espère qu'elles ont compris mon message. Parce que quand une femme est en train d'être vilipendée, c'est toutes les femmes qui sont en train d'être vilipendées. Quand un homme est en train d'être honni, traîné par terre, c'est tous les hommes qui sont en train d'être honni, traîné par terre. Quand un Africain est en train de perdre sa valeur, sa culture, c'est tous les Africains qui sont en train de perdre leur valeur et leur culture. Que Dieu et les ancêtres vous inspirent et vous gardent en tant que fils d'Afrique. Que Dieu vous bénisse.